Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien. Moi c'est demain. Du coup cette semaine je vous filme un vlog de première semaine de rentrée. Première semaine en prépa agrégation. Je suis trop contente de revenir en format vlog parce que j'aime trop faire ce genre de vidéos, je vous le dis tout le temps. Parce que c'est le plus spontané et puis je peux vraiment être créative toute la semaine et réfléchir toute la semaine à comment, quoi filmer. Ça rythme ma semaine, ça me motive. En plus cette semaine ça va vraiment bien se prêter à cette espèce de spontanéité nécessaire des vlogs parce que on va prendre les jours un par un. Je vais y aller doucement. Cette semaine c'est une semaine un peu de découverte. Je vais aller à un maximum de cours pour essayer de voir qu'est-ce qui sera le plus important pour moi. Parce que jeudi dernier on a eu la réunion de pré-rentrée. Et les profs nous ont dit qu'on n'arriverait pas à aller à tous les cours, qu'il faudrait faire des groupes de travail. Donc voilà, là on est la veille de la rentrée. Je vais commencer à préparer tout doucement la journée de demain dès ce soir. Il y a plusieurs objectifs ce soir. C'est un, d'éliminer toute charge mentale inutile. Donc pour ça j'ai rangé la chambre, j'ai sorti mes habits pour demain, ce que je vais mettre. J'ai fait mon sac. J'ai fait un peu du ménage dans la chambre et la salle de bain. Donc voilà, là j'ai un petit peu déblayé le terrain. Je me suis lavé les cheveux aussi déjà, comme ça j'ai pas à faire ça demain à 7h. Premier objectif, vide de ma poubelle mentale, de ma corbeille mentale. Ensuite le deuxième objectif c'est d'organiser ma semaine. Donc je pense que je vais me faire un emploi du temps assez précis de la semaine, déjà avec les cours que je vais avoir. Et je vais aussi remplir les trous qu'il y a dans mon emploi du temps avec les choses que je dois faire pour essayer de m'organiser un maximum. Ensuite, après l'organisation de ma semaine, le but ce soir c'est aussi de me détendre, de faire des choses qui me font plaisir et qui me donnent confiance en moi. Donc je pense que ça va être peut-être un peu de méditation avant de dormir et un peu de journaling. J'ai créé un petit journal intime que je vais traîner toute l'année. C'est un vieux carnet que j'ai, il n'y a pas masse de pages dedans, du coup je pense que j'aurai besoin d'un autre. Mais je vais essayer d'écrire une page ou deux tous les jours pour rester en contact avec mon enfant intérieur un petit peu et pour me prendre des nouvelles de moi-même au fur et à mesure de la prépa. Une des choses que je veux éviter, c'est de me perdre complètement dans le concours. Alors je sais qu'il va falloir que je m'investisse à fond, c'est pas ça la question, et que je donne de mon temps et de ma personne. C'est juste que je veux aussi pas oublier qui je suis en dehors d'une préparationnaire de l'agrégation. Je veux vraiment rester en contact avec moi-même. Et du coup bah, je vais faire ça grâce à ce journal. C'est des pages assez petites qu'on peut dater. Donc voilà, si j'écris une page par jour ça peut le faire. Ce sera soit le matin soit le soir en fonction de ce dont j'ai besoin. Du coup je pense que je vais faire ça ce soir avant d'aller en cours demain, pour m'encourager, me dire que ça va aller et tout ça. Je vais coupler ce vlog de première semaine de cours avec mes lectures du moment. Donc ça va être à moitié un vlog back to school et un vlog lecture. Parce que voilà, je veux pas aussi que ma chaîne ne parle plus que de l'agrégation. Évidemment que je vais devoir incorporer certains éléments qui parlent de ça. Parce que ça m'intéresse vraiment. Et aussi parce que ce sera plus simple au niveau de l'emploi du temps et tout de faire des vidéos en rapport avec l'agrégation. Surtout qu'il y en a pas tellement que ça sur YouTube. Du coup je me dis que ça pourrait peut-être aider certaines personnes, ou en tout cas voilà, qu'on pourrait se créer une petite communauté d'anciens agrégatifs, de futurs agrégatifs, etc. sur cette chaîne. Et voilà, et j'aurais besoin de votre soutien cette année, donc je vais parler de l'agrégation évidemment, mais je veux pas que ça se limite à ça. Donc on va continuer de parler de livres. Le premier dont je voulais vous parler, je pensais que je vous en parlerais pas forcément dans ce vlog parce que je pensais que je l'aurais fini. Et puis en fait non, donc je vais vous en parler, c'est Hamnet de Maggie O'Farrell que j'ai enfin commencé. C'est un des livres que je voulais le plus lire cette année. Il s'agit d'une fiction historique qui parle en fait de l'origine, la backstory de l'écriture d'Hamlet de Shakespeare. Donc j'ai bien passé la moitié, hein. Je sais pas si vous voyez. Et donc on suit un chapitre sur deux, deux timelines. Donc la première timeline c'est la timeline de Shakespeare jeune et sa femme Agnès, surtout c'est un peu elle le personnage principal. Donc on les suit quand ils se rencontrent, le début de leur mariage, ses premières grossesses, etc. Et la deuxième timeline c'est un peu la timeline présent où en fait la fille de Shakespeare et Agnès tombe malade, elle chope la peste. Pour l'instant j'aime beaucoup, en fait ça me fait un peu penser à Circé, je pensais pas que ce serait aussi similaire, parce que je pensais que le personnage sur lequel on focaliserait vraiment dans ce roman ce serait Hamnet, puisque c'est le nom du livre.
Et en fait, c'est plus Agnès, et Agnès, elle a beaucoup de traits de caractère, de caractéristiques de son personnage qui ressemblent au personnage de Circé. Elle est aussi guérisseuse, elle est à l'aise dans la nature, elle connaît bien les utilisations médicinales des végétaux. C'est aussi une femme que la société considère comme effarouchée, sauvage et qui est un peu rejetée. Ouais, ça ressemble pas mal à Circé, donc je suis un tout petit peu déçue par rapport à ça, parce que je pensais que ce serait pas aussi similaire, même si évidemment c'est pas la même époque, c'est quand même pas la même histoire, etc., ni le même décor. Mais voilà, je pensais qu'on aurait aussi plus d'easter eggs par rapport à Shakespeare. Je pensais que ce livre, il ferait un petit peu de fanservice quand même pour les fans de Shakespeare. Bon, évidemment, quand on connaît un peu Hamlet, il y a quelques trucs qui résonnent, du genre la première phrase dans Shakespeare, c'est « There's something rotten in the realm of Denmark ». Il y a quelque chose qui pourrit au royaume du Danemark. Et évidemment, il y a plein de mentions de cette pourriture dans Hamlet. Il y a souvent le mot rotten qui revient. Mais bon, c'est quand même assez bien. J'aime bien lire ce livre-là. Ça se lit vite, ça se lit bien. Et voilà. Bon, l'écriture n'est pas phénoménale non plus. Je pensais aussi que ce serait un peu mieux. Mais voilà, en tout cas, c'est très bien. J'aime bien lire ça. On verra si j'ai le temps de faire une lecture personnelle autre qu'Hamlet cette semaine. Bon, en vrai, il me reste pas beaucoup, donc c'est possible que j'arrive à lire un autre livre. Il faut que j'aille voir si la vidéo a enfin fini de s'uploader. C'est une catastrophe, là, Internet. Pff, la vidéo d'aujourd'hui, elle met 10 ans à s'upload. Je sais pas ce qui se passe avec le wifi à la maison, mais bon. C'est comme ça. Donc voilà, je vais aller faire ça et je reviens tout de suite. Ça y est, la vidéo, elle s'est enfin upload, une heure plus tard. Ça a mis vraiment super longtemps. Je pense qu'on a un petit problème de wifi, mais bon. On réglera ça plus tard. J'ai hâte de voir si cette vidéo elle vous plaît et si elle vous est utile. Maintenant que la vidéo c'est bon, je vais faire mon petit emploi du temps de la semaine. Une fois que j'aurai mangé, que je commencerai à être fatiguée, j'aurai plus envie de faire ça, donc je vais m'en débarrasser tout de suite. Vous avez vu Taylor Swift, elle va ressortir un album. Dans la chambre, mais bon, ça rend pas très bien en vidéo. Je sais pas si je vais emmener la caméra, tout simplement parce que je veux pas m'ajouter ce stress en plus de penser à filmer tout ça aujourd'hui. Il faut que je fasse mon petit journaling avant de partir, parce que j'ai pas eu le temps hier. Finalement, on a commandé à manger, on a aidé aussi avec son mémoire et tout ça. Du coup, j'ai pas eu le temps, je vais me mettre des affirmations. Je suis pas trop stressée, ça va. Je vais me faire quelques petites affirmations en me disant ce que je dirais à une amie. C'est-à-dire que bah, c'est ok de se tromper, on peut pas savoir tout du premier coup, que le but c'est d'apprendre et de progresser. Il est 56, on part à Écart. Donc j'ai une petite dizaine de minutes, il faut que je finisse mon sac. Je pense que je vais emmener ma grammaire latine et un ou deux livres encore sur mon anthologie. D'ailleurs, je peux déjà la mettre dans mon sac de stage des champs. Et voilà, c'est parti. Petit outfit of the day, j'ai décidé de changer le haut parce que j'ai vu qu'il allait faire 27 degrés cet après-midi, donc avec le pull que j'avais choisi hier, ça n'allait pas. J'aimerais bien avoir une ceinture, mais je l'ai oublié en Alsace, donc on fera sans. Je vais mettre mes baskets noires et peut-être une veste. Voilà ce que ça donne avec la veste. On est le lendemain de la rentrée. En fait, je vous ai update hier. Enfin, j'ai filmé un petit bout d'update hier, mais la lumière était catastrophique et vraiment vous me voyez pas. Donc je vous update de nouveau ce matin. Est-ce que j'ai du... Oui, j'ai du mascara sur les yeux. Donc hier ça s'est très bien passé, tous les profs m'ont plu. J'ai trouvé que les profs de langue ancienne surtout allaient être super cool, je pense. Et qu'ils allaient vraiment nous permettre d'apprendre plein de choses. Même les cours magistraux sur les œuvres de littérature et tout étaient trop bien. Donc j'ai trop hâte pour aujourd'hui. En fait, c'est un peu ce que je m'attendais que la fac serait quand je suis allée en master. Je pensais que j'aurais plus de cours, mais surtout une plus grande variété comme ça d'enseignement et tout que j'ai pas eu et qui m'a un peu frustrée. Et du coup, je retrouve un peu ce côté-là de ce que je voulais, quoi, en allant à la fac, d'avoir plein de profs différents dans des super beaux amphis et tout. Bon, petit downside de la journée d'hier,
point un peu désagréable, s'il en est, c'est le confort des salles. Comme on est dans les grands amphis, c'est vraiment catastrophique pour le dos. Enfin, vraiment, hier, à la fin de la journée, je pouvais plus m'asseoir, quoi. C'était... On est sur des bancs d'église, quoi, et on n'a pas de table pour écrire. Enfin, bref. C'est aussi ça, d'être dans des beaux bâtiments anciens, mais bon. On nous a déjà donné à rendre un thème latin et une version grecque. Là, il est 8h20, un truc comme ça. Du coup, je pense que je vais aller à la bis. Ce matin là à 9h quand ça ouvre, comme ça je pourrais peut-être un petit peu filmer dedans et vous montrer à quoi ça ressemble s'il n'y a pas trop de monde. Je vais peut-être commencer un peu la version parce qu'en fait normalement j'ai cours à 9h le mardi aussi, mais là il y a un cours qui saute donc ça commence à 10h, donc voilà, je vais aller à la bis et je vais un peu faire ma version tout doucement, commencer une première heure et voir un peu ce que ça donne. C'est Isocrate donc ça devrait pas être archi dur, mais... Maintenant on est dans des versions d'agrès qui sont très longues, c'est surtout la longueur en fait qui change par rapport à avant. Attendez, je vais vous la montrer si je la trouve. Voilà, on a une feuille entière à faire en 4 heures. Bon, à la maison on peut déborder un peu sur les 4 heures, mais je pense qu'à l'UNS on avait peut-être allé jusque là, donc à peu près la moitié quoi. Donc va falloir aller beaucoup plus vite, mais bon. En vrai, j'ai hâte de refaire du grec et du latin à fond. On n'en avait pas au dernier semestre du master et ça m'a quand même un peu manqué. Donc voilà, c'est cool. J'aime les langues anciennes, donc je suis contente d'en avoir à faire. Ça va quand même faire beaucoup. Entre, si on fait 4 heures, 4 x 4, 24, entre 24 et 28, 32 heures. Toutes les deux semaines à fournir pour les langues anciennes, grand minimum. Donc les cours aujourd'hui qu'on va avoir, donc on aura le cours magistral sur Jean de Léry, le cours magistral sur Tristan l'Hermite. Et cet après-midi, on a beaucoup de latin, un cours pour l'oral, on a le cours sur Cicéron il me semble, la version latine, j'ai assez hâte, on va faire plein de latin aujourd'hui, c'est cool. Et aujourd'hui par contre je vais emmener la caméra, je sais pas si je filmerai beaucoup mais je vais essayer de filmer un peu plus. Hier j'ai pas du tout filmé, j'ai même pas fait une story, je suis vraiment désolée, mais j'étais vraiment dans les cours, trouver les salles et tout, donc voilà, désolée pour ça. Je vais me rattraper aujourd'hui et je vais vous montrer mon outfit du jour aussi. Hier j'ai... heureusement que j'avais pas mis le pull déjà. Et aussi, même avec le t-shirt manche longue assez léger que j'avais, je suis morte de chaud. Et j'étais pas du tout à l'aise parce que, comme dit, on peut pas s'asseoir correctement dans les amphis. Du coup, mon jean me serrait, c'est un jean rigide mom. Et voilà, bref, j'étais pas très à l'aise dans mes vêtements. Du coup, j'ai essayé de mettre des choses un peu plus confortables aujourd'hui. On verra ce que ça donne. Il devrait aussi faire chaud, mais il devrait pleuvoir. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui peut marcher pour les deux. Enfin bref, c'est un peu la cata toujours en septembre pour trouver quoi mettre. On est allé
On est allé dans le 13e faire des courses dans des épiceries asiatiques et tout. Et du coup, on va vous filmer une petite recette. Enfin, en fait, c'est le tofu que je fais tout le temps. Et à chaque fois, Sarah me demande comment je le fais et j'oublie de lui dire. Et du coup, Et là, on va le faire ensemble. ouais, on va le faire ensemble pour que ça va être marrant. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça va être bon. Du coup, on va faire un wok. Donc, pour ça, il faut des légumes. Donc, on a pris les brocolis, de crème. Voilà, brocoli, carottes, poivrons, et on va aussi sortir un oignon. Et on va aussi faire du tofu, mais on fera après. Et avec ça, on va faire des nouilles. Mm-hmm. Ok. Je sais pas si tu savais, mais dans le rituel bouddhiste, ça fait vraiment partie de la spiritualité. C'est vrai? Ouais. Du en fait, c'est ce qu'on appelle le samu. C'est les travaux collectifs. Et dans ces travaux, ça peut être les travaux d'extérieur, mais ça peut aussi être la cuisine. Et du coup, ils cuisinent tous ensemble en silence. Et ça fait partie de, bah, du fait d'habiter le monde de manière spirituelle et tout. Parce que quand tu cuisines, quand tu épluches des légumes et tout, tu es à fond dans la présence et dans ce que tu fais. Donc en fait, ça se rapproche de la prière ou de la méditation. Alors maintenant on va faire la sauce que je vais mettre dans le tofu après. Un peu d'huile de sésame, de la sauce soja salée, du coulis de tomate ou du concentré de tomate. Et après j'utilise du bouillon golden curry. Alors, c'était comment? C'était dégueulasse. Non, c'était vraiment trop bon. Bon, avant de vous laisser, je voulais quand même vous faire un petit bilan de ma semaine, de ma première semaine de rentrée. J'ai été bien occupée, on a déjà beaucoup beaucoup de choses à rendre. Mais c'était aussi une semaine super intéressante, super enrichissante déjà. Et je me sens un peu rassurée par rapport à avant la rentrée, donc c'est cool. Ça me fait trop plaisir en vrai de me remettre à fond dans le grec et le latin. Parce qu'en prépa j'en faisais beaucoup beaucoup plus qu'à la fac. Et j'avais l'impression d'avoir un peu perdu en niveau. Donc je pense que cette année je vais vraiment beaucoup progresser et ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, bon après je pense que j'aurai pas énormément le temps de lire des lectures personnelles. Je vais essayer quand même de lire au moins un livre par mois parce que je sais plus si je vous le disais au début ou pas, mais en prépa j'ai vraiment arrêté de lire, en tout cas de lire des lectures personnelles pour le plaisir. Et ça m'avait beaucoup manqué et je veux pas reperdre ça à nouveau cette année. Une lecture personnelle par mois, ça devrait être faisable. Mais voilà, ça va surtout se concentrer sur les œuvres au programme, etc. Surtout ces premiers mois où il faut bien que je les reprenne pour les maîtriser à fond et pas prendre de retard. Hamnet, j'ai pas du tout réussi à le finir. Bon, il me reste une soixantaine de pages. Je vais essayer de le finir dans les prochains jours et je vous ferai une revue un peu plus détaillée sur Instagram et je la posterai dans l'onglet communauté sur YouTube. Comme ça, ceux et celles d'entre vous qui me suivent sur YouTube et pas sur Instagram, vous pourrez quand même accéder à la revue où je ferai peut-être carrément un article sur le blog, mais je sais pas trop si j'aurai le temps de faire quelque chose d'aussi détaillé quand même. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolée de pas avoir réussi à poster cette vidéo dimanche, mais je vais essayer de mieux m'organiser, mais je pense que ça va peut-être se répéter cette année, ce genre d'imprévu. Et je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour les 1000 abonnés. Genre, c'était l'objectif, le rêve un peu de passer cette barre-là en un an. Donc je suis trop contente, je suis tellement heureuse que vous soyez là. Et voilà, je voulais juste vous dire merci et à tout vite. Je vais vous préparer une vidéo exprès pour l'occasion. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo parce que du coup, il y aura deux vidéos cette semaine.